Ok, alors bonsoir à tous déjà. Donc l'idée c'est que lors de ces 24 heures de réflexion, nous avons abordé le concept de comment digiter la matière au bénéfice de l'industrie du textile et de son impact environnemental. Auparavant, l'interaction fournisseur textile, l'interaction fournisseur textile et designer fonctionnait de manière très artisanale. Les demandes étaient relativement faibles et résultaient d'une faible production d'échantillons. Alors aujourd'hui, on a fait beaucoup de progrès, notamment côté des fournisseurs où en fait les machines sont beaucoup plus performantes et augmentent drastiquement la production, mais également le nombre de protos derrière. Côté marque, les designers, ils ont deux flux de création. Ils ont le flux de création physique et ils ont le nouveau flux de création digital que l'on veut améliorer pour réduire le nombre de protos. Mais alors, comment on fait pour changer tout ça et réduire notre impact environnemental ? Eh ben moi, je propose qu'on prenne tous un petit pas de recul. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, on va faire une analogie. Le processus de fabrication, c'est la partition d'un morceau de musique. Notre textile physique, c'est la performance d'un orchestre. Et en fait, le scan, pour pouvoir créer une matière digitale, c'est un enregistrement. Et aujourd'hui, la matière digitale est un peu, peu intelligente. Et c'est notre bon vieux fichier MP3 d'il y a très longtemps. Dans cette analogie, à partir de la partition, vous avez forcément le produit fini. Et dans la musique, vous pouvez aller dans l'autre sens. Avec Shazam, du produit fini, vous retrouvez la partition. Notre proposition, c'est de faire la même chose sur le textile et de scanner le produit textile pour retrouver ses propriétés physiques et surtout comment il a été conçu. À partir de là, en faire sa représentation dans les outils 3D et trouver son jumeau numérique. Du coup, ce procédé de fabrication devient la matière d'échange entre marque et fournisseur, ce qui permet de réduire la quantité de matière et un gain de temps. Les bénéfices mutualisés sont l'immédiateté et l'empreinte carbone qui sont réduites de par la suppression du transport. Et aussi, on peut avoir les propriétés mécaniques dues au processus de fabrication. Merci beaucoup. C'était le challenge numéro 3.